Avoir eu lieu ce matin. Nous avons entendu des déclarations de la part du président de la cour d'assises, de la part de l'avocat général qui était à la hauteur de l'importance de ce procès, puisque tous ont souligné l'importance et le caractère historique de ce procès. Nous sommes satisfaits que ce procès ait pu être ouvert aujourd'hui dans de relativement bonnes conditions. Maintenant, les avocats de la défense ont, après la lecture de l'arrêt de renvoi, formuler une demande de suspension que nous analysons en réalité comme une demande de renvoi qui ne dit pas son nom, pour pouvoir s'entretenir avec leurs clients. Nous ne sommes bien évidemment pas opposés par principe à ce que les droits de la défense soient respectés, soient formulés, soient respectés. Et d'ailleurs le fait que la Cour ait donné droit à cette demande est bien la preuve que ce procès prend la forme d'un procès parfaitement équitable. C'est une attente de la part des parties civiles que nous représentons. Et un élément important, c'est que le juge d'instruction, que vous savez, a eu la main lourde et puis il n'a eu aucun respect pour la procédure.